En 2010, on voulait acheter et on a trouvé cette maison, c'était un coup de cœur. On a découvert qu'il y avait des fuites dans la maison quand il y a eu les premières pluies, si bien que les enfants étaient sans arrêt malades. En tant que mère, je me suis sentie inquiète et sans pouvoir faire grand-chose puisque ça faisait déjà des mois et des mois qu'on cherchait des solutions pour trouver des financements. Sans l'aide des associations, on n'aurait jamais pu commencer les travaux. Il nous manquait trop de budget. Quand je repense à cette période, la période des travaux, c'était l'angoisse. Nous étions en mobil-home. Le plus dur à gérer, c'était la température. L'hiver, trop froid. Et l'été, c'était intenable. Maintenant que nous sommes dans la nouvelle maison, au niveau de la santé des enfants, c'est beaucoup mieux. Ils ne sont plus malades comme ils étaient avant. Ça change la vie d'avoir une maison rénovée, d'avoir de l'espace pour les enfants, mais pour nous aussi, hein, de l'espace, même dans notre couple. Hein, on est beaucoup plus détendu qu'on ne l'a été pendant 4 ans. Hein. C'est que du bonheur avec les enfants, du bonheur avec le conjoint. Ça change tout, c'est une nouvelle vie.